danse, il joue, il rit. Crois-tu que nous avons toujours été heureux? Je vais te raconter une histoire. Jadis, il y a très longtemps, avant que la civilisation moderne ne s'empare de la Martinique, il n'existait qu'une seule ville sur l'île. On l'a surnommée la ville au rasoir, en raison de l'épouvante qui tapissait certaines des rues depuis la nuit des temps. Mais oui, vieille radoteuse! 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 Je la connais déjà, cette histoire. Ah bon? Tu la connais? Tu la connais? Et moi, Zamba, je sais que c'était une ville mystérieuse où les vieilles personnes s'adonnaient au vaudou et mangeaient les ossements de personnes mortes qui n'avaient pas remboursé leurs dettes. Les corps étaient traînés et les vieilles personnes en faisaient un bon repas. Hé, Zélie Zamba, laissez-moi parler un peu et dire qu'un jeune voyageur venu de ne savez où arriva un jour dans la ville au rasoir. Il s'appelait Polo et il voulait trouver une femme. Non. La femme de sa vie, son âme sœur, avec laquelle il espérait fonder un foyer. Il avait emporté tout l'argent qu'il possédait. Tijan, le sage du village. Quand Polo arriva devant la ville au rasoir, il fut horrifié, car il venait de voir un vieillard se faire traîner par deux chevaux. Et quand toute la foule, en injuriant la famille du défunt qui pleurait de tristesse, c'en est trop pour Polo, il alla trouver le maire. Imaginez que votre propre père soit traîné ainsi. C'est la coutume qui le veut. Et pour que cela s'arrête, il faut rembourser toutes les dettes du mort. Soit. Alors je paierai. Oui, je paierai tout. Il paiera tout, il paiera tout, il paiera tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Polo a bien remboursé toutes les dettes et qu'il lui restait plus un sou. Maintenant, comment allais-tu faire pour se marier? Polo! Polo! Polo, merci de ta compassion. Qui a parlé? L'âme de celui que tu viens de préserver. Ne crains rien, je suis là pour t'aider à mon tour. Comment vas-tu faire? Je n'ai plus d'argent. Je vais t'indiquer le chemin que tu devras prendre. Tu devras te rendre aux trois portes de la ville au rasoir. Trois portes de la ville au rasoir? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Oui, ce sont les trois portes les plus dangereuses au monde. Mais derrière elles se cache la femme de tes rêves, la belle sans connaître. La belle sans connaître? Oui, vous tomberez amoureux l'un de l'autre. C'est vrai? Cependant, tu devras braver bien des dangers. Pour cela, tu achèteras trois barils. Un baril d'os, un baril de fleurs et un baril de sucre. Un baril d'os, un baril de fleurs, un baril de sucre. Trois barils? Mais comment faire? Je n'ai plus d'argent. Sur terre.
Nous allons t'aider. Lorsque l'ange te sauvera, tu seras sa possession
l'allure vers le nord. Arrivée sur place, elle se déploya dans toutes les directions. Des dizaines de chiens arpentèrent les rues, flairèrent les bosquets, foulèrent les plages. Ils demandèrent des indices aux poissons. Et ce fut une petite sardine qui les renseigna. Ma sœur un jour a trouvé une bague. C'était il y a si longtemps. Pourrais-tu me la rapporter? Je dois absolument récupérer ce bijou. Il appartient au roi de la ville au rasoir. Donne-le-moi et tu sauras récompenser. De rejoindre la ville oratoire où le sergent-chef apporta l'alliance à Boré. Bara Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut de nous. Bara Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut d'amour. Bara Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Bara tout ça au blé, pour soulager que moi. Merci du fond du cœur, je n'y croyais plus. Je n'ai pas à vous remercier. Quand on fait du bien, c'est du bien que l'on récolte. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Au petit matin, le monarque, accompagné des trois gardes, descendit au cachot. Eh bien, prisonnier, as-tu retrouvé la bague que mon épouse a perdue il y a 1000 ans? Oui, sire, la voici. Le roi n'inclut pas ses yeux. Il s'agissait bien du bijou qui avait scellé, 1000 ans auparavant, ses propres fiançailles. L'or en était à peine altéré et le souverain se réjouit. C'est bien, mon garçon, c'est bien. Mais il manque un château à mon bonheur. Que voulez-vous dire? J'aimerais avoir un château dans le bois qui se trouve près de mon palais. Je te donne une journée pour le bâtir, sur quoi tu seras assis au fil du rasoir. Rasoir, rasoir. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Comment Polo va-t-il faire pour construire un château en une seule nuit, même s'il est libre de tous ses mouvements? Cela est tout bonnement impossible, mais l'espoir surgit tout à coup d'un battement d'aile. Nous allons trouver. Qui a parlé? C'est moi, Polly. Cela faisait des lustres que nous n'avions pas dégusté un terme si exquis. Nous voulons te remercier pour cela. Comment allez-vous faire? Ne sais-tu pas que les colibris sont les meilleurs bâtisseurs au monde, des vertueuses de la construction? Demain, à l'aube, un magnifique château se dressera au pied du bois. Merci. Polo compta très fort sur la promesse du colibri. Le lieutenant rassembla toutes ses troupes pour établir un plan. Il est muni de haches, de pioches, de coudelas et autres outils indispensables. Puis, ils se mirent à l'œuvre. Il y avait tellement de colibris affairés que, depuis sa cellule, Polo le demandait virevolter à l'unisson. Polo reprit peu à peu espoir. C'est extraordinaire! Ce jeune homme mérite une récompense exceptionnelle!
le palais alors que c'est interdit. Regarde, Gustave, les statues de colibris qui surplombent le portail. Quel sens du détail! Ce voyageur est le meilleur sculpteur du royaume. Il faut le remercier comme il se doit. D'accord, ma chérie. Je lui ferai apporter du pain dur et un morceau de morue salée. Ah non, Gustave, non! Donne-lui ce qu'il est venu chercher. Voilà, même sans connaître, tu lui donneras sa main. S'il la reconnaît. Au château, il y a trois filles qui se ressemblent comme des gouttes d'eau. L'une d'entre elles est la belle sans connaître. Si tu désires le tuer, tu devras l'identifier. Si, cependant, tu ne parvenais pas, tu seras juste au rendez. Que décides-tu pour partir seule? Tu persistes dans ton rêve au risque de périr. Être libre ou périr. Être libre ou périr. Polo ne mit pas longtemps à formuler sa réponse. Pour lui, la vie ne valait la peine d'être vécue que dans l'amour. Et si la belle sans connaître était effectivement son âme sœur, comme le lui avait annoncé le fantôme du défunt, il était prêt à mourir pour elle. Je persiste plus que jamais. D'accord, nous viendrons te chercher demain à midi. Le roi donne une fête avec de nombreux invités. Parmi eux seront la belle sans connaître et ses deux soucis. Le chef des gardes laissa Polo seul dans sa cellule. Comment allait-il faire pour la reconnaître? Chaque défunt, tintin poisson. Et depuis ce jour-là, il vit heureux.